Didier Deschamps a annoncé ce jeudi la liste de 24 joueurs retenus pour la phase de poule de la Ligue des Nations. Les Bleus auront 4 matchs à disputer en 11 jours entre le 3 et le 13 juin face au Danemark, la Croatie par deux fois et l'Autriche pour ce rassemblement qui débutera le samedi 28 mai. Le sélectionneur s'est inscrit dans la stabilité. Un seul petit nouveau apparaît, Boubacar Camara, le milieu de terrain marseillais de 22 ans, auteur d'une saison pleine avec l'Olympique de Marseille, actuel 3e de Ligue 1 et demi-finaliste de la Ligue Europa Conférence. Il peut aussi évolué en défense centrale, même si Jorge Sampaoli l'utilise le plus souvent dans un rôle de sentinelle en fin de contrat. Le 30 juin, il devrait quitter son club formateur avec lequel il a connu toutes les sélections de jeunes des moins de 17 ans jusqu'au espoir. Il est dragué depuis plusieurs mois par le Sénégal, le pays d'origine de son père, international espoir français. Il s'était même fait à l'idée de rejoindre le récent champion d'Afrique pour la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Ses approches de la Fédération sénégalaise de football ainsi que les performances du Marseillais ont fini de convaincre le sélectionneur français Didier Deschamps de lui ouvrir la porte des Bleus. Calendrier oblige, les joueurs internationaux n'auront pas le temps de souffler alors que leur saison en club se termine avec les derniers matchs de championnat et la finale de la Ligue des Champions à jouer. L'organisation du Mondial au Qatar au mois de novembre a obligé l'UEFA à modifier le calendrier des matchs de poule de la Ligue des Nations. Résultat, les joueurs de l'équipe de France s'apprêtent à enchaîner 4 rencontres en 10 jours. Les tenants du titre accueilleront le Danemark le 3 juin, se rendront en Croatie le 6 puis en Autriche le 10 avant d'affronter à nouveau les vice-champions du monde croates en France le 13. Un rythme chargé qui permettra sans doute à une large partie du groupe tricolore d'avoir sa chance. Selon vous, chers amis, Boubacar Camara devrait-il rejoindre les Bleus de l'équipe de France ou le Sénégal?